Mais dis, quand reviendras-tu? Salut. Moi, je voulais vous parler du temps. Du temps en voyage. Pas de la météo, bien sûr, mais du temps qui passe. Du temps qu'on perd, du temps qu'on prend, du temps qu'on tue. Du temps qui se dilate et qui subitement s'accélère, ou bien le contraire. De tous mes voyages, j'avais pas de destination particulière où vous emmener, tous mes voyages m'ont marqué. Dans tous ceux qui m'ont demandé sueur, dépassement de moi, douleur, j'étais partie à la recherche de moi. Et bien sûr, j'ai ressenti cette sérénité d'après l'effort quand on arrive au sommet, où je me suis sentie petite, perdue dans des mers de nuages ou sous des aurores boréales. Quoique pour les aurores boréales, c'est un peu différent. En vrai, même si j'osais pas trop le dire, parce que de principe, c'est quand même un truc de ouf, une aurore boréale, la première fois que j'en ai vu une, j'étais assez déçue. Au début, ça ressemble juste à un nuage. Vertical, c'est pour ça que c'est bizarre, mais un nuage. Mais les fois où on a la chance de le voir sans le temps de pose de l'appareil photo, juste à l'œil nu, ce spectacle. Fascinant, je suis tombée à genoux dans la neige pendant plus d'une heure. En Laponie, on était trois pour faire la traversée. La guide et une autre fille, venue comme moi se geler les neurones par moins 37. À chacune, on nous avait affecté un chien pour la randonnée. Autant j'adore la vie, les êtres vivants en général, autant j'avais pas d'affinité particulière pour les chiens, et au début j'étais un peu réticente. Il y a eu beaucoup de bienveillance et de solidarité entre nous les humains, parce que les conditions du voyage sont très difficiles, tout congèle en fait. En décembre, le soleil refuse de se lever, la clarté est très brève, du coup ça demande pas mal d'organisation. Mais c'est quand il a fallu quitter le chien que j'ai eu le plus de peine. Je savais que je reverrais les filles, parce que les gens, ça Skype, mais le chien. Ce chien qui nous étouffe pendant la randonnée, qui nous donne le rythme, nous permet de ne pas ralentir, nous permet de continuer quand les conditions sont trop difficiles, parce qu'elles le sont aussi pour lui. Mais lui, il continue, pour nous, et parce que c'est comme ça, il faut bien avancer. Cette relation intense et de manière tout à fait surprenante, j'ai compris une certaine sagesse, celle de vivre l'instant, uniquement, un tout autre rapport au temps. D'ailleurs, il n'a pas eu de peine, lui, je crois, quand je suis partie, et je n'ai pas été son humain, s'il a été mon chien pendant ces 3 semaines. Cette sagesse de penser, c'était super, salut, et de savoir ne plus y penser. De laisser le présent au présent, de ne pas forcer une continuité qui n'aurait pas lieu d'être. Un philosophe, ce chien. Vous aurez remarqué qu'en voyage ou en vacances, le temps passe différemment. On a tous dit « c'est dingue, ça fait 3 jours qu'on est là, j'ai l'impression que ça fait 1 mois ». Ou alors tu te rends compte que dans 2 jours, il faudra déjà refaire les bagages. Comme si un nouveau rythme se mettait en place. Souvent, on coupe son portable ou on en restreint l'accès. Vous savez qu'on consulte, en Laponie, il congèle, donc le problème est réglé, mais j'arrête de vous parler de la Laponie. Vous saviez qu'on consulte 150 fois par jour son téléphone, avec tout ce que ça a de chronophage? On voulait juste regarder l'heure, et puis on a 12 mails en attente, 5 notifications Facebook, 3 SMS d'amis qui nous envoient ce qu'ils mangent, leurs pieds à la plage, je sais pas quoi. C'est peut-être pour ça aussi que le temps passe différemment. En voyage, en vacances, le temps, on cherche à en profiter. On lui rend enfin sa valeur, on se rappelle qu'il est précieux parce qu'il est éphémère. Parfois, on choisit de n'en rien faire. Parfois, au contraire, on veut faire un maximum de trucs. Parfois, on s'arrête dans un café bruyant en Turquie ou dans une allée du marché de Bangkok et il se passe beaucoup de choses. Le voyage, c'est beaucoup de temps perdu, de contre-temps, de bus ratés, de rencontres. D'ailleurs, comme il nous reste encore un peu de temps, je vais vous parler de quelque chose qui revenait tout le temps lors de tous mes voyages, de toutes mes rencontres. Au Bénin, je pensais parler de la surconsommation dans les pays riches, à Madagascar, de la difficulté de l'accès aux ressources, ou en Inde, avec mes copines de train, de la condition de la femme. Mais que dalle! Il n'y a que le chien Lapon qui ne m'ait pas parlé de mes amours, demandé avec qui j'étais, avec qui je voulais être. Chaque fois qu'on était en groupe, la même question qui revenait tout le temps, et toi, t'es sur qui?
Mais au final, peut-être que le plus sérieux de mes voyages, mon préféré, c'est le voyage amoureux. Être fascinée par l'autre comme une terre inconnue, découvrir ses nouveaux paysages, découvrir une nouvelle manière de vivre. Le temps qui se dilate quand on attend un message, le temps qui s'accélère quand on va se voir ou quand c'est le moment de se quitter. Il y a vraiment tout dans ce voyage, c'est l'essence du voyage. Ce TOS aussi, c'était un voyage. J'ai rencontré cette équipe géniale en juin, et puis s'est passé une éternité, 2 mois, les vacances d'été en fait. On avait une infinité de temps pour se préparer, et puis d'un coup, on a été le 18 septembre, j'avais toujours pas mes photos d'illustration, rien compris au hashtag, le temps s'est accéléré. Et comme ce voyage avec vous touche à sa fin, je dirais pour vous inciter à voyager, pour que vous voyez le monde avec de nouveaux yeux, achetez ou jetez vos montres et soyez toujours amoureux de tout. C'est la plus belle manière de...